aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans le vlog de lundi, on se retrouve donc aujourd'hui mercredi pour un haul Shein. Alors, je vais pas pouvoir tout essayer, comme je vous l'ai dit, c'est encore hyper sensible, j'ai énormément de mal à rester debout trop longtemps, etc. Je me suis fait une tête, ça fait du bien, hein, un petit peu de make-up, j'ai même un petit peu exagéré sur le blush, mais bon, c'est pas grave, ça donne de la couleur, parce que j'en manque en ce moment. Voilà. Donc merci, avant de commencer je voulais vraiment vous remercier pour tous vos gentils messages là, sur la vidéo de lundi où je vous expliquais mon opération. Donc voilà, merci beaucoup. Donc on va passer au haul Shein. Comme d'habitude vous avez un code promo sur Shein qui est valable jusqu'au 31 décembre, mais il est valable toute l'année, hein, c'est le code 5 Volbeauty il me semble, Volbeauty 5, hein. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Donc cette fois-ci, la mise à l'honneur, c'était sur la section Curvy. Enfin, moi, je commande quasiment tout le temps dans la section Curve de chez Shein. Shein, on peut y trouver plein de choses, hein, des vêtements, de la déco, de la maison. D'ailleurs, j'ai pris une seule petite chose pour la maison que je vais vous montrer. J'ai pris des coussins, tout simplement, dans le thème de l'automne. Alors, où est-ce qu'ils sont? J'en ai déjà mis deux en place. C'était un lot de 4. Oui, un lot de 4 coussins. Alors, on avait celui-ci. Alors, les 4 coussins, voilà, sont dans les tons briques, hein, de toute façon, blanc. Et ils sont hyper doux au niveau de la matière. On a celui-ci avec écrit Fall. Et il y a ceux que j'ai mis, bah, qui sont déjà sur mon canapé. Je voulais chercher. On a celui-ci. Hello Pumpkin. Ils sont super doux, très très doux. Et on a celui-ci aussi, Hello Pumpkin. Voilà. Donc ça va très bien avec les deux housses que j'avais trouvées chez Action. C'est impeccable. Ensuite, j'ai pris deux robes. Alors, enfin trois robes. Donc il y en a deux. C'est deux. Pour moi, c'est deux flops. J'aime pas du tout l'imprimer. J'aime pas la matière. C'est une matière trop synthétique pour moi. Donc ce sont des robes un peu chemises. Donc celle-ci, la robe imprimée, elle est à 14,99€. J'avais pris en 2XL. C'est toujours dans la taille curve. Alors moi le problème c'est que bah, la poitrine tombe pas où il y a la poitrine. Voilà, je suis pas assez grande et elle est très très longue. Donc ça je vous l'essaierai pas parce que voilà, je vais pas la garder celle-ci. Elle a les manches longues. Pour moi c'est pas assez épais et j'aime pas la matière et ça, voilà, ça ne va pas. Pour moi c'est beaucoup trop long. Voilà, c'est pas le type de robe que je vais porter. Mais voilà, c'est tout synthétique, je pense. Elle a un col V, col un petit peu chemise. Alors, je pense qu'avec une ceinture, ça serait plus sympa. Mais comme en ce moment, je ne peux rien porter de serré au niveau de la taille. Et elle est trop longue. Au niveau de la matière, c'est quoi comme matière? C'est du polyester, ça. Voilà, 100% polyester. Donc, vous voyez, c'est une... Voilà, le motif. Donc, non, ça, je vais pas, ça, je vais pas garder. Pour moi, c'est pas des flops. Mais ça ne me va pas à ma morphologie, donc ça je ne garderai pas. Ensuite, deuxième robe, alors ça c'est un méga coup de cœur. Je ne pourrais pas vous la passer là. J'ai fait quelques essayages photos, mais c'était très compliqué. Donc vous les verrez porter dans les différents vlogs. C'est une robe chasuble, alors ça c'est un méga coup de cœur. Elle est en plusieurs couleurs, elle est à 16,20€. Je pense que je vais sûrement commander d'autres couleurs. Il me semble qu'elle est en plusieurs couleurs. Alors attendez, j'ai mal mis la bretelle. Bon, enfin bref, je la réglerai après. Donc c'est une robe chasuble. Il y a des petits trucs du manteau. Une robe chasuble un peu en velours comme ça. Alors ça, je l'ai passé légèrement comme ça dessus. Il faut que je me trouve un genre de sous-pull, soit crème ou noir, pour mettre en dessous. C'est très échancré. Alors là, une fermeture ici sur le côté que moi, je ne me sers pas. Elle a deux poches ici et franchement c'est génial. Ça avec une paire de bottines, ça va être top. Elle arrive à peu près au niveau du genou. Elle a deux poches ici sur le devant. Ça je kiffe. Franchement pour le prix, je vais regarder si je peux pas m'en prendre une noire. Et je crois qu'il y en avait du vert. Je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Mais c'est réglable ici au niveau des... J'adore. Franchement, elle est hyper bonne qualité. Ça vous pouvez foncer si vous aimez les robes chasubles. En plus il y a des poches, c'est vraiment top. Au niveau de la composition c'est du polyester aussi, mais voilà, franchement celle-ci c'est un méga coup de cœur. Bon, ça vous l'avez reporté cet hiver sans problème. Voilà, vous voyez, avec un petit haut assez près du corps,
Donc moi, je veux pas un col roulé. Mais il faut que je regarde si j'arrive à trouver ça sur Shein ou des t-shirts assez près du corps. Voilà, j'adore. Franchement, ça, c'est un méga coup de cœur. Celle-ci, je regarde s'il y a d'autres couleurs parce que méga coup de cœur. Et pour finir, la dernière robe, puisque l'autre, c'est une robe, mais un peu tunique. Donc ça, c'est dans la marque Shein Frenchie. Vous savez, c'est la Shein Frenchie. Alors, j'aime pas la matière. Voilà, c'est encore une fois la même matière que l'autre. C'est une polyester. Et en fait, il y a trop de foufou pour moi et elle est trop grande. Voilà, donc je l'avais pris en taille 2XL. Il aurait fallu qu'il y ait un XL et demi. Elle est beaucoup trop grande. Les manches sont très très grandes. Elle a un col V ouvert comme ça. Elle a des foufous ici. Et elle part un peu en... Vous voyez ? Alors moi, j'aime pas la matière parce que c'est sûrement 100% polyester. Mais ça, avec une jolie ceinture, ça peut être très sympa. Et elle était, elle, à 18,99. Donc moi, je l'ai, ouais, elle est trop grande. Donc ça, bon, voilà, ça ne rend rien. Voilà, donc ça, voilà, je ne garderai pas. Ensuite, encore un gros coup de cœur. Ça, je l'ai porté, je l'ai déjà porté. Donc je vous mets une petite vidéo ici de ce que j'ai un peu filmé. C'est un ensemble un peu caméo, un peu militaire. Je l'ai pris en taille 1XL. J'aurais pu prendre une taille en dessous, encore le 0XL, je pense. Il était à 19,99, donc il est composé de un t-shirt qui est d'extrêmement bonne qualité. C'est la marque Emery Rose. Ça faisait un petit bout de temps qu'il était dans le panier, donc je l'ai pris en kaki. Vous avez les manches qui sont très échancrées. Donc ça, avec un gilet par-dessus, c'est parfait pour rester à la maison. Et franchement, c'était top pour être à la maison là pendant ma convalescence. Et après, je pense qu'il me servira pour être à la maison. Le t-shirt est hyper doux. La matière, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a du coton. Parce que j'ai coupé l'étiquette. Voilà. Parce que ça devait me gêner. Franchement, et on a le pantalon. Alors, qui est un peu grand pour moi. Comme je vous l'ai dit, je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous. Donc du coup, moi, je le porte un peu comme un baggy. Il est taille élastiquée. Alors il a un entrejambe très très grand. Donc du coup, moi je le porte comme un baggy. Normalement c'est un pantacourt. Et il a des poches. Il est hyper confortable cet ensemble, franchement. Hyper confortable. Ça, top. Gros coup de cœur pour cet ensemble. Ensuite, j'ai pris un manteau. Parce que j'ai testé mes manteaux. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu un peu plus de 10 kilos. Et du coup, tout ce que j'ai sont un peu grands. Donc, je vais m'en reprendre un pour cet hiver. Alors, j'ai pris celui-ci en noir qui était à 29,99. Donc, pour un manteau, c'est vraiment pas cher. Je l'ai pris en taille 1XL. Il est tout moumouté à l'intérieur. Et le col est comme l'intérieur. Il est tout moumouté comme ça, vous voyez. C'est tout moumouté. Il est en noir, un peu façon velours. Il a des poches, normalement. Oui, il y a des poches. Alors, je vais vous le passer. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en 1XL. Les essayages sont compliqués. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est compliqué, les essayages. On a des choses ici pour pouvoir régler. Voilà ce qu'il donne. Voilà, on peut fermer. Il y a des boutons ici sur le devant. Voilà, nickel. Donc, 1XL, impeccable pour moi. Je ne sais plus pas quelle taille je fais. Je pense que je fais un 48 en haut. Et maintenant un 44-46 en bas, 46 en bas. Voilà, donc il est vraiment nickel celui-ci. Alors faites pas attention à ce que je porte en bas, j'ai un survêt Shein hyper large pour pas être serré au niveau du ventre. Mais voilà, et en plus il a des boutons jusque là. Vous mettez une grosse écharpe, voilà, vous êtes bien au chaud. Donc ça pareil, assez beaucoup de cœur, il est bien fini. Au niveau des manches, la longueur impeccable pour moi. Si vous êtes plus grande que moi, peut-être que ça sera un peu court au niveau des manches. Mais il est hyper chaud. Donc ça, pareil, coup de cœur pour cette petite chose-là. J'adore. Ensuite, on passe normalement à une robe chemise. Alors, je l'ai pris en taille 2XL. C'est pareil, je crois qu'elle existe en plusieurs couleurs. Elle est un peu en couleur acajou. Elle est à 14,99€. Elle se ferme d'un bout à l'autre. Donc vous voyez, c'est vraiment une robe chemise. Elle part un peu cintrée, vous voyez un petit peu sur la vidéo, là je l'ai passée. Alors moi, je la porterai sûrement soit avec un legging en dessous comme je l'ai fait là, enfin voilà.
Ou alors je la porterai avec une paire de collants très opaques et une paire de bottes assez hautes, avec un petit short en dessous, un shorty en dessous. Elle existe en plusieurs couleurs. Au niveau des manches, on a des fermetures comme ça au niveau des manches. C'est pas vilain, franchement, c'est pas épais. Je vous conseille de mettre un gilet par-dessus parce que c'est vraiment pas épais. Mais franchement, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Ensuite, un petit t-shirt basique qui était en taille 2XL à 7,49€. C'est pareil, celui-ci, je crois qu'il est... Je sais pas s'il existait en plusieurs couleurs. Col V, comme d'habitude, hein, moi je prends tout en col V. La couleur est très jolie, ce violet parme. Et la particularité, c'est que vous avez tout le haut de, des manches, enfin de, des épaules, qui est, vous voyez, tout ajouré comme ça en dentelle. Donc je l'ai pris en taille 2XL, je crois. Ouais, c'est ça, 2XL. Donc impeccable. Très très bien. Donc ça, on valide cette chose-là, on valide sans problème. Alors ensuite, j'ai pris deux pulls. Alors, ce premier pull-là, je dirais que... déjà, il faut le porter avec un soutien-gorge blanc obligatoirement parce que c'est tout ajouré. Il est là. Je l'ai pris en taille 2XL. Il est un peu grand pour moi. Il est à 16,99€. Donc moi, je pense que je le porterai avec un débardeur parce que, comme je vous voyais ici, il est un petit peu court au niveau du buste. Il est pas blanc, il est un peu écru. Mais la maille est très jolie. Et on a un esprit cache-cœur, vous voyez, alors, qui est ouvert ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le porterai sûrement avec un débardeur. Les manches sont assez longues et assez ballon. Donc moi, je vais sûrement les remonter. Donc je vois bien ça avec un pantalon noir, avec peut-être en dessous un débardeur un peu dentelle. Vous savez, les débardeurs longs, là, ceux que je porte habituellement, soit crème ou soit noir ou blanc. Voilà. Mais je porterai quelque chose quand même en dessous parce que je pense qu'il est quand même assez court. Ou alors après, vous le portez ça sur une jupe taille haute. Ça peut être sympa. Alors le t-shirt vient aussi de chez Shein. C'était il y a un petit bout de temps, je crois qu'il existe. Il doit plus être disponible. Mais voilà, ce petit pull très sympathique également. Et la dernière petite chose, c'est pareil, j'aime beaucoup. Ça avec un pantalon chocolat ou un pantalon beige, ça va être très sympa. C'est un pull à 14€. Il était en promo, je crois, au moment où je l'ai sélectionné. Donc il doit être à une quinzaine d'euros. Et je l'ai pris en taille 1XL. J'aurais pu prendre une taille en dessous aussi. Il est magnifique. Il est tout à rayures comme ça, couleur beige et chocolat, vous voyez. Les manches se finissent comme ceci. On a une belle étoile au milieu, donc col V, hein, bien sûr. Une belle étoile au milieu, mais tout en moumoute, vous voyez là. Alors attendez, voilà, on voit la matière un peu moumoute, de vraiment, vraiment très sympa. De toute façon, vous voyez sur le porté ici. Et du coup, il est tout à rayures. Il est quand même assez long, donc il couvre bien le ventre et les fesses, donc impeccable. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je le vois bien porté avec un pantalon soit noir, un pantalon beige, un pantalon chocolat, ça peut être très sympa. Voilà pour ma petite sélection Shein pour l'automne, pour quelques nouvelles pièces dans ma garde-robe pour l'automne. J'essaye de vous mettre tous les liens en barre d'infos en espérant que tout soit encore disponible. Et vous avez également le code promo qui est valable sur tout le site, mais qui est valable aussi sur les promotions. Quand vous avez des articles qui sont en promotion dans votre panier, eh bien, le moins 15% passe aussi sur le panier. Donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà, n'hésitez pas surtout à vous faire plaisir. Parce que Shein, on y trouve franchement des pépites. Quand on est plus size, eh bien, on a du mal à trouver des choses un petit peu tendance, à petit prix. Voilà, et ce qui permet, il y a de la déco aussi. J'ai fait une belle sélection, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait en déco. Donc j'ai mis des choses dans mon panier, peut-être que vous les aurez la prochaine fois, je ne sais pas. Et en tout cas, je vais regarder sur la salopette s'il y a d'autres couleurs que celle-ci, parce que je pense que je vais me prendre plusieurs petites couleurs pour cet automne-hiver. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve, j'espère que ce haul vous a plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait au mieux pour les essayages. Du fait de ma convalescence, j'ai encore les sutures, etc. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir fait les essayages là en live. Je les ai fait rapidement, voilà, tous les jours. Je vais essayer de mettre une tenue pour pas avoir trop à tirer sur les cicatrices. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux. Voilà, on se retrouve donc vendredi pour un haul action.
que j'avais pré-filmé avant mon départ pour la clinique. Et on se retrouvera en vlog lundi pour un nouveau vlog. Enfin, un vlog un peu spécial colis unboxing parce que j'ai fait plein de commandes pendant que j'étais à la clinique. Bah oui, j'ai eu la zapette facile. Donc, j'ai fait pas mal de petits achats. Donc, j'ai reçu tout ce que j'ai commandé, presque tout. Et comme ça, je vous ferai voir ça lundi dans le vlog. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao, ciao. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we